Bonsoir à toi, bonne année à toi. Atchoum. Salut Gérard, salut Sophie. À tes souhaits. Salut. Bonne année. Bonne année. Ça, c'est, ça t'écorche quoi? Ouais, ça t'écorche un peu la gueule de souhaiter une bonne année aux gens. Ouais. C'est dommage. Et surtout la santé. Ouais. Gagne coucou. Jayan coucou. Jayan coucou. Attends, attends, j'ai oublié de préciser. Atchoum, on écoute Open Radio sur à Brest 97.3, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Donc, gagne coucou. Ouais, donc. Giant coucou, Giant coucou. Ça, c'est le petit noir qui fait du porno. Voilà. Bah, donc, ouais, bah, ouais, je connais. Bah, bonsoir. Je connais. Bonne année à tous. Bonne année à toi. Bonne année à toute l'équipe et spécialement à la maman de Filda. Ok, bah, c'est bien. Bah, moi, je souhaite une bonne année. Moi, je souhaite une bonne et heureuse année aux parents, à Max. Et voilà, ça, je m'arrêterai là. Donc, on peut écouter Fun Radio sur Lille sur 103.1. C'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Gros barbu. Salut Gérard. 19 ans. 19 ans de Nantes, on peut écouter Nantes Fun Radio sur 104.1. Ah ouais, salut Rigo. C'est bien ça? Ça doit être ça, salut Rigo. Ah, ok. Petit gazon de Arles. Salut Gérard. Bonsoir à toi, on peut écouter Fun Radio sur 104.3. Exact. Ok. Alors on y va, on attaque la question. Donc je pense que vous l'avez entendu. Ouais, non. Donc possédez-vous un nain de jardin? Si oui, pourquoi? Donc on va demander ça à Petit Gazon. Moi j'en possède 19. Ouais. Alors ils sont classés par ordre alphabétique dans mon jardin. Ouais. Voilà. D'accord. Je leur ai donné des noms, on s'amuse bien, je les lave tous les matins. Mmh. Et on s'amuse comme des fous dans mon jardin. Ouais, et tu leur fais des pipes de temps en temps? Non, c'est eux qui me lèchent. Ah, ok. Ok, gros barbu. Ouais, moi j'en ai un. Oui. Ouais, il s'appelle Bernard. Oui. Ouais, c'est le copain de ma tortue. Ouais, ben c'est bien. je vois pas le rapport avec la tortue puis les nains de jardin. Bah si, hein. Mais attends, dans les nains de jardin, il n'y a jamais eu de tortue. Ben si, on s'est rendu que ils se croisent. Hein. Ouais, bon. Si. J'aime coucou. Ouais, ben tout à fait, moi j'ai une grosse collection de nains de jardin, il faut aussi classer par alphabétique de... Tiens, c'est bizarre, tu changes de voix toi, d'un seul coup. Pas du tout. Ils sont donc classés, je te disais, de A comme anus jusqu'à Z comme zoophilie. Zoophilie, oui. Et tout à fait, moi j'en ai parce que je trouve qu'en fait ça structure et ça embellit le jardin et je voulais savoir ce que tu pensais de ça. Ah bah personnellement, oui. Ouais, attendez, il y a... Esquive. Non, attendez, 5 minutes, on récupère un auditeur. Ah, non, je vais te demander si... Ah bah non, bah attends. Aux toilettes. Non, non, mais attends, t'as envie d'aller aux toilettes? Bah oui. Bah, tu te démerdes, tu fais ce que tu veux avant que je t'éclate. Okay. Non, dégage. Hop. Avec Sophie, bah, c'est ça. Atchoum. Bah non, attends, Gégé, tu m'as pas répondu. C'est qui? Coucou. Ouais, tu trouves que ça structure et que ça embellit le jardin, toi? Bah personnellement, moi, j'ai pas de jardin, donc je peux pas le savoir, hein. Bah tu peux en avoir sur ton balcon. Ouais, non, mais je pense pas. Rigaud. Ah, oui, il y a Père Fouras le nain géant qui te demande, est-ce que les nains de jardin repoussent quand on passe la tondeuse? Alors ça, déjà, tu passes la tondeuse, tu retires tes nains de jardin, parce que tu peux pas passer... Ou sinon, tu passes la tondeuse en travers, et après tu prends un truc avec... des fils de pêche assez gros. Et sinon, il y a Yankee le nain magique, ouais, qui te demande si, comme il y a des nains de jardin, est-ce qu'il y a des nains de balcon, des nains d'appartement, des nains de terrasse? Voilà. Ah bah, moi, j'ai un gros nain à la maison. Ça, on sait. Donc, je sais pas si on l'a. Atchoum? Ouais, moi, je veux pas me fouler, donc j'ai un appartement miteux et j'ai pas de nain, j'ai pas de jardin. Ouais, comme ça, c'est clair. En effet, tu te foules pas, hein. Yoga? Bah moi j'en ai 7 de nains, mais ils sont dans mon salon parce qu'il paraît que dans son jardin ça fait kitsch. Et puis en plus, comme il pleut en ce moment, ils ont pas d'imperméable. Mais attends, mais t'as déjà vu des nains de jardin avec des imperméables, quoi? Bah non, justement, mais il pleut, donc j'ai peur qu'ils attrapent la crève. Ah ouais, mais... Bon Gérard, je reviens, je vais me laver les nains. Ah bon... votre truc là avec Sophie, là. Non, non, mais Sophie, elle est au standard, c'est tout. On parle des débats, pas de moi. Donc, Yoda. Ouais. Yoga. Yoda, moi, j'ai... Ah bon? Yoga. T'as du yoga, alors. Oh, mais yoga ou... Ah, mais de toute manière,
Mais par contre, j'aurais bien voulu qu'on essaye de voir un auditeur sur les 24 lignes et qui s'appelle Simplet. Pas de problème, je peux changer de nom. Non. Bon, ben c'est pas grave, allez, Sophie, elle va gérer ça. Et Possédez-vous. Sophie, si ça te met qu'à moi, tu seras déjà dans l'équipe. On va te faire passer des tests. Bon, toi, tu t'es. Allez, Gérard. Alors, deuxième question. Peut-on remplacer sa femme par un nain? On va demander à Yoda. Bah, à mon avis, non, je crois pas. Et pourquoi? Parce que des nains de jardin, c'est décoratif. Ouais. Et une femme, c'est pas tellement... Enfin, je sais pas, non. Il y en a qui sont décoratives. Ouais. Ouais, il y en a qui parlent pas, qui font bibelot, mais enfin, je sais pas. Tu peux préciser ta pensée? Ah oui. Bah, je suis pas d'accord, quoi. T'as des femmes, je sais pas, comme ça me dit, peut-être qu'elle est inintéressante et qu'elle parle pas et qu'elle fait peut-être office de bibelot dans ton salon, mais ça va, mais on peut pas faire une femme à des nains de jardin. C'est qui vient de dire ça? Ouais, allez. Corrige-la. Hop, Yoda terminé. Voilà. Yoda terminé. C'est moi, je sais. Yoda, c'est bon pour elle. D'accord, on l'a viré. Gérard, par contre, là, j'ai. Sur les 24 lignes, on a. Je suis bien ce mec, là. Ouais, Sophie, elle a trouvé un mec, c'est le président. Non, c'est le président de l'association des valeurs de Nantes Jardin. Ah ouais, FLNC. FNL. FLNC. Et toi, tu vas te prendre une bouche. Mais attends, tu fermes ta gueule. S'il vous plaît. Tu fermes ta gueule derrière si je me trompe. Ok. Voilà, on l'accueille. Merci. Monsieur Menez. Allô? Voilà, putain, le téléphone pourri. Allô? Non, c'est-à-dire que j'ai voulu rester dans la même vague parce que j'ai peur qu'on me reconnaisse. Salut Ménez. Comment t'as reconnu Bernard Ménez? Ouais. Ouais, tu me le laisses parler, autres tu me les mets en air. Okay. Donc on t'écoute. Je fais partie effectivement du FSNS, c'est-à-dire la défense des nains de jardin. Ouais. Et je trouve qu'il était temps que quelqu'un sur la radio puisse enfin faire un débat là-dessus. Je voulais vous en remercier et j'espère pouvoir répondre à vos questions. Ben justement, donc quand on remplaçait sa femme par un nain, donc je vous pose la question à vous en priorité avant les autres. C'est-à-dire que si déjà on est nain à la base, non, on peut très bien mettre sa femme dans un jardin et ça suffit largement. Par contre, le nain de jardin est quelque chose d'essentiel. Mais précisez. Disons que le nain de jardin existe depuis 1932, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'en parler. Je vais pas trop m'aider. Non, parce que là, on va pas trop s'éterniser là-dessus. Moi, je peux dire une chose. J'ai vu un reportage il y a à peu près 15 jours, je pense, que tout le monde l'a vu là dans l'équipe. Rien du tout, moi. Non. Non. J'ai vu, moi. J'ai vu, moi. Vous avez vu, toi, le samedi, là, protéger nos nains, ou je sais plus quoi. J'ai vu le reportage, oui. Non, c'était Blanche-Fée, c'est les 7 mains. Non. Non, mais de toute manière, faudrait que je récupère le truc. N'importe quoi. Ouais, c'est ça. T'as raison, toi. Ok. Maintenant, on va récupérer la tchoum. Est-ce que c'est possible d'avoir une voix déformée? Parce que là, je me galère avec une main devant le combiné. Ouais, c'est ça. Entendu. Allez, hop. Bonne nuit. Bonne nuit à toi. Comme ça, tu iras voir tes deux mains dans le combiné. On va avec les grands jeux. Ouais. Allô? Gien-coucou. Ouais, Gien-coucou. Donc, moi, je voulais dire que, parce que bon, comme tu le sais, j'ai fait un petit peu de porno. Ouais. L'avantage, si tu veux, quand j'ai une femme, j'aime bien quand elle me suce, elle soit à genoux, parce que comme ça, elle est soumise, cette chienne. Et le problème, c'est que le nain de jardin, quand il me suce, il est toujours debout. Et donc, en fait, j'ai pas l'impression de le dominer. Non, mais attends. Donc, un nain de jardin ne peut pas remplacer une femme, quoi. Ah, si, c'est possible, hein, tout à fait. Ben non, si tu n'as pas l'impression de la dominer, cette salope, ben ça peut pas le faire. On dit pas ça, là, alors tu restes poli, s'il te plaît, Gien-coucou. Gros barbu, c'est terminé pour toi, Gien-coucou. Non, mais c'est dans l'action, quoi. C'est terminé. Quand je lui tire les cheveux, c'est dans l'action, c'est pour ça. On peut pas tirer les cheveux d'un nain de jardin, hein, On se calme, merci. Tu lui tires le bonnet. On se calme, gros barbu. Non. Allô? Ouais, on t'écoute. Moi, j'entendais rien. Ouais, t'entends rien, là? Ouais, je t'entends, là, c'est bon. Oui, Rigo, justement, tu vas attendre. Okay. Du nain de jardin d'Eviwan Hatchoum, il y a un sondage sur l'IRC. Alors, comment trouvez-vous votre vie de nain de jardin? Sondage effectué auprès des nains de jardin. 12% en ont marre de se faire chier dessus par des chiens. 21% en ont marre de se faire kidnapper par des sales gosses du voisin. Allez, la voir, là.
monsieur. 25% aiment les merguez parties en hiver et 32% s'essuient le cul en courant dans l'herbe. Mais ça n'a rien à voir, monsieur. Ah. Ah, oui. Ça n'a rien à voir, mais c'est le thème du débat. Attends, gros barbu. Gérard, il connaît, non, mais ce qui est intéressant dans votre débat, monsieur Gérard, c'est qu'effectivement, on parle des nains de jardin et monsieur Vigo en parlait sur l'internet. C'est-à-dire qu'il peut y avoir également les chiens de jardin, les chats de jardin. Non, mais ça, c'est une question IRC, hein. Il peut y avoir effectivement des nains de jardin, mais des chats de jardin, des chiens de jardin, ça existe, hein, comme les maisons de jardin, des. Ouais, d'accord. Gros barbu. Ouais. Bah, moi, je pense que tant qu'il n'y aura pas de femme de jardin, bah, ça ne vaudra pas le coup. Ah, mais ça y est, des femmes de ménage jardin portugaises. Ah ouais. D'accord. Ok. Petit gazon. Oui, excuse-moi, je toussais. Moi, j'ai remplacé mon mari par mes nains, oui. Non, mais peut-on remplacer sa femme par un nain? Donc, c'est-à-dire, toi, à la place d'un nain. Ouais, bah, tu vois, au lieu de mon mari, j'ai pris un nain. Tu mets ta femme dans ton jardin. Ouais, tu mets ta femme dans ton... Tu remplaces ta femme par un nain. Mais non, mais je suis une fille, donc en l'occurrence, j'ai pas de femme, mais un mari. On peut pas faire des choses pareilles, monsieur Gérard. C'est comme abandonner son chien pendant l'été, on peut pas remplacer sa femme. Ouais, mais non, femme. Mais ça, on parle pas d'abandon de bête, ok. Ok. Gérard, excuse-moi, à la place de Yoda que t'as viré, on a trouvé Simplette. On a pas trouvé un garçon, c'est une fille. Bonsoir. Bonsoir. Excuse-moi Gérard, je suis un petit peu en deuil ce soir, parce que ma maman l'a croqué dans une pomme et puis ça s'est mal fini. Ouais, alors tu peux répondre on en a rien à foutre parce que c'est pas le thème du débat, c'est les nains de jardin. C'est intéressant quand même, hein. Ouais, mais moi je m'en fous, alors tu te tais, toi. Mais pas les autres. Ouais, mais faut se calmer derrière, d'accord. Et à la place d'Atchoum, on a Atchoum 2. Salut Atchoum 2, salut Atchoum. Vive le théâtre. Je sens que Pildar, tu as encore morflé. Bon, c'est quoi la question, là? Ouais, c'est quoi la question? Ouais. Eh ben, t'avais qu'à te déboucher les oreilles. Est-ce qu'on peut répondre à d'autres questions? Ouais, c'est que tu veux croquer ma pomme. Alors, quel genre de nain? Moi, je peux vous dire qu'on peut pas remplacer une femme par un nain, c'est faux. Absolument. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ben, de toute manière, une femme, c'est fait pour la vie entière, hein. De toute manière, quand tu penses à eux, vous fermez vos gueules quand je parle. Merci. Oui, mais là, vous dites n'importe quoi. Une femme, quand tu passes devant la mairie, tu dis oui, c'est pour la vie. C'est fou ce que tu dis. Dans ta gueule. Bon, ouais. Gérard, c'est bien. Ça commence à bien faire. Gérard, calme-toi. Ça commence à bien faire. Gérard. Sur IRC, il y a Oxy le nain, il trouve que tu parles beaucoup des nains de jardin, mais est-ce que tu connais les nains interphones ou les n'importe quoi, ou les nains, je sais plus, les nains imbéciles. Les nymphomanes. Les nymphomanes. Ouais, ben, les nymphomanes, il y en a beaucoup. Combien qu'on est sur IRC, là, quand même? Oh, ouais, c'est moi qui commande, d'accord? Oui, enfin, vous pensez plus à savoir comment... C'est moi qui commande! C'est moi qui commande, c'est moi qui commande jeudi. Alors pour l'instant, je veux savoir combien qu'on est sur Internet. Et vous taisez. En euros, en euros. Et vous taisez. Vous taisez. Allô? C'est qui le nom du président des jardins, là? C'est ta gueule et tu la fermes pour l'instant. Je veux savoir combien qu'on est sur Internet, s'il vous plaît. Merci. Bon, Manu. Oui. Hop. Allez, j'écoute. Hop. Bon, allez, j'écoute pour que. Là, qu'est-ce qui se passe? Manu. Je vais enlever mon micro parce qu'il s'est éteint. Donc, on est exactement. Ouais. Manu, t'arrêtes, s'il te plaît. J'ai rien fait. 6547. Moins 4. 6 000. Il y a toujours moins 4 qui traînent. 6547. Ouais, Manu. Hein, Manu, ouais. On s'amuse à éteindre le micro de Rego quand je vais y parler. C'est pas marrant, ça. Bah, ouais. Hein? Bon, troisième question. Non. Je voulais savoir, tu demandes si on peut remplacer sa femme par un homme, mais je pense que tu devrais demander si on pouvait remplacer sa femme par un sumotori, parce que je pense que ça te concerne quand même un peu plus. Alors toi, tu dégages. Au revoir. Au revoir. Hop. Bonne nuit. Allez hop. Il est parti. Non, terminé pour de bon. Et toi? Putain, j'ai en paix. Allez en paix. C'est toi. Allez en paix. Et toi, t'arrêtes tes conneries, d'accord? D'accord. Et toi, avancez le gueule ou pas? Et là, tu vas te calmer, hein. D'accord. Dans 7 minutes, t'es plus là. Tu peux gueuler un gros Manu, comme ça, je serai dans le remis. Non, bah, tu vas gueuler dehors, ok. Ok.
Bon, on avance ou quoi, la merde? Alors, je vais refaire une question. C'est qui? C'est Samplette. Ouais. Et tu crois pas qu'un adjoint, c'est immortel, enfin, qu'une femme, c'est mortel, c'est ennuyeux? Ouais, mais pourquoi? Oh là là. Une femme, c'est mortel. Un jardin, c'est immortel. Non, mais de toute manière, une femme, t'as toujours besoin d'une femme avec toi. Un jour ou l'autre, elle va mourir, une femme. Bah non, mais même nous, on meurt. Même pas les ninjas. Putain, vous êtes vraiment des câbles, hein, au standard ce soir. Eh, c'est quoi, là, ce bordel, là? Gérard, tu vas, t'accélères un peu, là. Manu, fais gaffe à toi. Gérard, sur IRC, il y a des V1 qui te demandent s'il est recherché. Bon Manu, t'arrêtes s'il te plaît, ok? Si les recherches sur les nains de jardin se font dans des laboratoires. Dans les laboratoires, non. Bon, au standard maintenant, vous avez bossé correctement ou pas? On accueille Passepartout, il vient de Nice, il a 20 ans et c'est 93.3 FM la fréquence. Bonsoir à tous. Bonsoir Passepartout. Bonsoir, bonne année. À la place de... Eh bien, coucou. Voilà, le mec, il fait du porno, là, je vous rappelle. Un gros moustachu, il t'emmerde à toi. Alors, bonne nuit à toi, au revoir. Non. Hop, bonne nuit pour lui. Bon, Gérard. Ouais, non. Moi, j'ai dit oui, c'est moi qui commande, ok? Il m'a dit, si je le vire, il nous faut un contrat sur la table. Je m'en fous. Hop, dehors. Dehors pour lui. Bon, Gérard, pour revenir au débat, il y a Davy One, le vrai nain sur l'IRC, qui demande si les nains de jardin, ils roulent en coccinelle. En coccinelle? Ah, pas mal. Ah ouais? Allez, bien, ça. Bah non, bah, je pense pas hein, qui roule en voiture, hein, les nains de jardin. Déjà, ils ont... Arrêtez les jeux de vos foireux, s'il vous plaît. Ouais. C'est possible que tu fermes ta gueule, toi, derrière? Ils jouaient pas. Bon, alors là, maintenant, on va se mettre un... Les schtroumpfs en folie avec ses potes m'enfument, l'arrêt, et on se retrouve juste après. Merci. De Gérard. Et voilà, vous venez d'écouter les Schtroumpfs en folie avec ses potes m'enfument, l'arrêt. Et donc, il est toujours, vous êtes toujours sur Fun Radio 101.9 FM. Donc, Rigo vous attend sur l'IRCWW.fr. Tout à fait. Donc, on est combien, Rigo? On a remonté, on est à 6879,23 à cause des nains. Ah bah d'accord, je pense qu'on va... On va dépasser les 7000. Bah, on verra. Il y a Olivier de la Pro qui est là. Oui. J'espère qu'il va me faire du bon petit boulot. Comme d'habitude. J'espère. Pas de double son parce que sinon, tu morfles comme l'autre derrière. Et puis, il y a toujours Olivier Fildar et puis Sophie qui... Olivier, tu commences pas, s'il te plaît, merci. Et cette terre, tu as... Tu sais, là-bas, il y a un studio. Ah, mais je m'excuse, on démarre. Hein? Ok. Et donc, on accueille qui, alors, maintenant? Alors, il y a Simplette. Ouais. À la place de Yoda, tu peux le noter, hein. Ouais, allez. Ça y est, je l'ai. Okay. Hachoum 2. Ouais. Vive le hip-hop, vive la délinquance, vive Rigo. Ouais, bah alors, toi, si tu parles de la délinquance, tu vas pas rester longtemps. Passepartout. Ouais, je suis là, je vais dire à Express Yourself et Big Big Up pour le retour de mon pote Olivier. Ouais. Gros barbu. Salut. Alors là, on accueille quelqu'un bon que j'ai au standard. Il a une voix cachée, pareil. C'est Joe, le tueur de nains. Bonsoir. Salut. Salut Joe. Salut, bonsoir Gérard. Est-ce que tu accepterais de prendre un contrat, Joe? Il faut que tu exécutes une petite grosse avec des tresses. Allez hop. Ah, on va finir. Et il y a aussi Petit Gazon qui est là. Hein. Salut Olivier. Salut à toi, Petit Gazon. Salut. Alors, question. Quel genre de nain de jardin existe-t-il actuellement? Ben là, on va voir les gens qui vont répondre. Alors, on va demander à l'autre, là. C'est vachement dur, c'est qui ça? Adjo? Ouais. Ouais, il existe plusieurs nains de jardin, moi je suis... Non, mais ta couche, on va pas tout sûr, Gérard, il est sensible. Oh, il est sensible, tu vas voir, mais tout à l'heure, j'ai pas une sensible quelque part, quoi. C'est à la gâchette facile. Alors, il en existe 150. Ouais. Et moi, il y en a 2-3 que j'aime particulièrement flairer et tuer. Il y a le petit nain, il y a le nain de jardin, le mini-cor, qui est un nain dans les 30 cm de hauteur et qui pue du cul.
Ouais. On a le viscéral, alors ça c'est... Ouais, c'est bon, ça va, y a, c'est bon, ça y est, hop, on a compris. Simplette. Est-ce que je te pose une question d'abord, Gérard, après je réponds. Non, non, tu réponds à la question, tu me réponds après. Je répondrai à ta question après. Ah, ok. Bon, en fait, à la télévision, moi j'en ai vu plusieurs fois, donc il y a des petits nains de jardin bleus. Ouais, c'est bon, suivant. Oh ah ben, attends, je peux pas répondre. Hé, hey, hop, dors celui-là. Hop. Non, je peux pas. Non, tu peux pas. Non, il peut pas. Tu vas morfler, tu vas voir tout à l'heure. Non, mais il est sympa, Gérard, tu peux le laisser répondre. Je peux pas le virer. C'est bizarre, il y a des préférences. Ouais. Moi, Gérard, je peux continuer. On n'a pas le temps de répondre, vous êtes deux secondes, on se cache plus. T'as vu, c'est dur, hein. Ouais. C'est vrai, il avait pas le temps de répondre que tu dis arrêtez. C'est normal. Tu vois bien qu'il y a rien pour parler en plus. Encore, te plains pas parce que t'as la voix trafiquée. Ouais, c'est un métier. Ouais, attends, Tony, tu fermes ta gueule. C'est un métier, hein. Bon, allez, hop. Hop, vous me direz ça. Vous me direz... Je vais le calmer. Non, il y a pas, tu le calmes, tu le vires. Mais non, mais calme-le. Je veux pas savoir, non, ça a viré. Ok, Gérard, pour te calmer, il y a un sondage sur l'IRC. Quel moyen de transport utilisent les nains de jardin? 26% utilisent des coccinelles, 28% utilisent des Volkswagen, 24% utilisent des Citroën, mais ils ont pas tous les pneus Michelin. Ouais, mais ça... Ouais. Tu vas où, toi? La pipi. Ouais, ben, non. Non, va pas calmer derrière. Hein? Ouais, la double voie, là, que tu mets avant de partir. Alors, tu restes là. Tu te dépêches. Simplette. Ouais, je continue. Donc, en fait, il y a plusieurs sortes. Donc, il y a les schtroumpfs. Déjà, il y a les mini-pousses. Et après, il y a les... Suivant. Il y a vraiment les... Et tu m'as parlé. Après, il y a vraiment les petits nains classiques. C'est ce qu'on appelle les nains de jardin, quoi. Avec un petit chapeau rouge et le petit costume habituel. Ouais, je suis les nains de jardin. Bon, toi, tu fermes ta gueule. Parce que j'en ai ras-le-bol. Bon, Gérard, tu peux répondre à ma question maintenant? Alors, pose ta question. Est-ce que tu trouves que c'est kitsch, les nains de jardin? C'est quoi? Est-ce que c'est kitsch? C'est-à-dire luxueux, beau, has-been, non? Raisonnable, non, folichueux, ça pue, les nains de jardin. Donc, c'est chouette, quoi. Tu trouves ça cool? C'est qui s'amuse à la... C'est moi, je suis un flipper. Gérard, tu me réponds? Non, mais je resserre mon truc de mon casque, c'est moi qui fais un petit blanc. Ça traîne un peu le débat, je trouve. Ouais, mais bon, allez. Petit gazon, allez, hop. Ouais, il y en a de toutes les sortes, toutes les couleurs, de toutes les tailles, et lubrification, etc. Le même gros moustachu. Gros barbu. Les nains à toute disposition. Il y a des nains qui font pipi, des nains à poil, je sais pas. C'est la fête ce soir. Bon, bah je pense que apparemment vous avez pas. Vous avez l'intention de me percher. Vous avez l'intention de me percher pour le premier débat de l'année. Non, je ne pas. Pas plus que d'habitude. J'ai pas répondu là. Alors vas-y. C'est passe-partout. Donc je voulais dire que quand l'autre il aura fini de ronfler. Moi aussi, je voudrais bien que ça se calme. Voilà, on peut pas travailler. Le standard, vous allez vous réveiller vite fait, bien fait. On peut pas travailler. Parce que tout à l'heure, je vais faire une chose, je vais me lever et je vais virer tout le monde. Gérard, si t'as un problème, il y a Turpentine Lapine, elle dit que tu peux appeler un inspecteur de police. De toute manière, je fais que ça de les appeler. Donc, alors, au standard, où vous faites du boulot correctement. Ou bien. Là. Ça se terminera très mal pour vous deux. Alors, Je veux pas le tribunal. Passe à une autre question, Gérard. Quoi, ta gueule, la tienne, les connards. Alors. Ok. Alors, on devrait en entendre salut, il n'y a plus de questions. Qui m'a demandé les Gérard. Voilà, ok. Pourquoi? Vous me changez tout le monde. Ah, mais ça là, c'est pas possible, hein. Quoi, c'est pas possible, vous émerdez. Y'a plus personne. Ça commence à bien faire. Gérard, ça, c'est pas de la merde. Et tu continues.
Il dit rien, je travaille. Non, tu travailles, tu fais rien. Il travaille, là. Non, il travaille. Oui, il travaille. Regarde, regarde. Elle aussi, alors. Hé, hey, t'as 6900. Combien, Hugo, combien? On n'a pas encore 6900, Gérard. On est à 6722. 6700. C'est bien, comme il y a des nains, ça fait que... Comme il y a des nains, ça fait que 6400. Eh ben tant pis, moi, vous reprenez d'autres gens et c'est tout. Hop, ton téléphone. Ah, non, non, mais tu balances un lit, je peux pas. Quoi. Je peux Non, ok. Ok. Terminé. Hop, t'en vas. On les reprend calmement. Non, mais moi je veux pas savoir. Bah dans ce cas-là on arrête. Non, non, mais on arrête. Mais j'avais une question, Gérard. Ils ont des questions, vous dites en mettant. Non. Pour l'instant c'est encore les mêmes. Alors il est hors de question. Toi, ça fait 5 minutes que t'es là, c'est pareil, tu me fous de la merde. Non. T'es en train de mettre des doubles sons, alors t'arrêtes tes conneries. Moi, okay. Gérard, pour alors revenir... Maintenant, au standard, vous me prenez deux personnes et c'est terminé. Ok, je reste là maintenant, Max reste là. Voilà. Alors Gérard, maintenant, vous me prenez d'autres personnes et vite fait, bien fait. Gérard, allez, pour revenir au débat, il y a frère de Ice-T, le nain, qui te donne la définition de nain de jardin. Il dit « Personne de petite taille, le plus souvent portant la barbe et coiffé d'un bonnet rouge, vit dans les jardins, surtout en Europe de l'Ouest, France, Allemagne... » Turani, exemple, tiens, Michel Petrucciani a encore perdu son bonnet. Oh, ça, c'est... Non, mais ça, justement, je veux plus parler. Gérard, je les ai calmés, c'est bon, là, ils ont compris. Non. Gérard, calme-toi. On est calme. Non, mais moi, il est hors de question que je continue un débat comme ça, hein. Là, c'est le premier débat de, déjà le premier. On n'a pas fait des questions, je crois que là, il reste moins d'un quart d'heure, hein. Donc, vous calmez, ou sinon je vous vire tous. On est calme. Ouais. Tranquille. Ouais, bah, on va voir. Ok. Où achetez-vous le plus souvent vos nains de jardin? Ouais, j'essaie, moi. Qui? Au barbu. Ah, c'est ça. C'est vous qui mettez. Ah, putain. Rachoum. Ouais, non, pas du tout. J'achète les magasins de nains de jardin, je suis pas acheteur. Tony. Anthony, prends ta voix correctement, d'accord? Je suis pas acheteur. Non, tu te trompes, là. Ouais, je me trompe. Ouais, c'est ça. Tu crois que je me trompe sur ta voix? Ouais, tu crois que je l'ai pas reconnu? Tu crois que j'ai pas reconnu ta voix? Bonsoir, bonne année. Ouais, ben alors, au revoir à toi, Tony. Hop, salut. Bonne année, Tony. Gérard. Hop, salut, Tony. Ouais. Atum 2, terminé pour lui. Sandy, il est parti. Oh, coupe-le. Il y a des soirs comme ça où tout... Tony. Oh, Tony. Ça m'a laissé faire sa carrière. Allez. Alors, passe pas. C'est simple, là, tu peux répondre. Ouais, bah vas-y. Bon, en fait, moi je les achète dans le jardin de mes voisins. Ah ouais, tu les voles carrément, toi. Ah ouais, c'est peut-être ça, ouais. Tu les achètes pas. Ouais, en fait, je les vole. Ouais, d'accord. Je veux dire une chose, que voler, c'est pas beau, hein. C'est fou ce que tu dis. Ta gueule. Non, mais en fait, je les vole, t'as raison, c'est ça, c'est le terme, en fait, c'est ça, je les vole. Non, mais je pense que faut mieux pas voler, hein. C'est faux ce que tu dis. Je me suis jamais fait prendre. Ah! Bon, ça. Je me suis jamais fait prendre. Il est où, bon. L'autre, je vais l'attraper, je vais lui mettre une barbe dans sa gueule. Qu'est-ce que t'as été dire aux auditeurs, toi? Qu'est-ce que t'as été leur dire? Pour l'instant, tu me fais de la merde! Alors, c'est terminé, conclusion. Hop, on arrête. Non, mais il a rien fait, il était même pas dans le studio, Gérard. Là, il était debout. Non, moi, c'est alors, c'est Sophie qui va être chef du standard pour la fin du débat. Ok, c'est plus Kildare qui décide, maintenant c'est Max qui a décidé comme ça. Vas-y, Gérard, c'est bon. Ouais, mais on va voir. Non, mais là, tu me retires ça. Non, mais je te le mets. Je l'étends, regarde. Non, mais ça. Non, mais ça, je m'en fous. Gérard, on accueille Action 3. Non. Non, alors là, faut pas reprendre les mecs pour. Faut pas prendre la Tchoum 1, 2 et 3. Ça, il est hors de question que Tony y repasse. Lui, Tony, c'est terminé. Gérard, calme-toi. Sur IRC, il y a Rip qui dit « Les nains, c'est bien, on abusait, ça craint. » C'est faux ce que tu dis. Oh, ta gueule. Et ça, t'arrêtes de dire aux auditeurs ce qu'ils doivent dire. Parce que tu les as prévenus. Ouais, tu les as prévenus avant.
C'est ça, t'es parti les appeler hors antenne là. Hein bah, c'est faux ce que tu dis. Tiens, c'est faux ce que tu dis comme l'autre il disait, il se guisait pas. Hein? Espèce ouais, de connard! Ta gueule! Arrêtez! Ah oui, ah oui! Connard, va! Allez, dégage chez toi, va! Non, non, moi, on reprendra le débat elle avec. Non, regarde, elle est là maintenant, elle est là! Non, non, d'autres personnes! Mais c'est bon, elle est en train de gérer! Non! On reprend d'autres personnes. Et fais-moi confiance, Gérard, ça va. On reprend d'autres personnes, je veux pas des mêmes. Attends, je vais les prendre en temps et puis je les calme. Non. Hachoum 3, il dégage, c'est terminé mais pour non, lui. Mais il est pas là, il y a personne. Non, ouais, il va revenir sur mais un non, autre nom. Allez, on a, allez, il reste 10 minutes, allez. Ouais, ben, 10 minutes, j'espère. Donc, c'est pas ce que tu dis. Ta gueule! Ah! C'est qu'est-ce que tu as balancé aux auditeurs? C'est bon! Là, je vais te faire avaler ta clope, hein! Pas de chasse, peut-être la bouche! Bon, allez hop, terminé! Non, mais c'est bon, regarde, allez, tu non, non, terminé! On les prend un par un! Non, mais c'est bon, regarde, ça y est! Non, j'ai coupé, Gérard, c'est bon, je les ai coupés, regarde! Maintenant! Non, mais il est pas arrivé en plus, Rousseau, alors c'est la merde! Non, mais c'est pas grave! Non, c'est grave, si c'est grave! Non, non, mais je vais faire un. Un petit sondage. Non. Je vais demander aux gens qui m'appellent au 0803-08-5000 et 0800-70-5000 et ça, Fildar et Sophie, vous allez les prendre. Non, mais c'est maintenant, c'est la suite du débat, la fin, là. Ouais, ben, on repose une question, après, que des gens me posent des questions sur, je répondrai. Oh non, mais on s'en fout, tu veux faire des alors, doit-on décorer son appartement avec des nains de jardin? Si oui, comment? Ben, ils attendent, à qui tu poses la question? Ici, alors, simplette. Bah ouais, enfin moi il m'est arrivé une histoire incroyable la semaine dernière parce que j'avais mis mon jardin à côté de ma collection de poupées en porcelaine. Ouais. Ouais, c'est super chouette comme collection. Et en fait, bah figure-toi que le lendemain matin quand je me suis réveillée, le nain de jardin avait changé de position. Mmh. Il avait bougé de place. Incroyable. Ouais, mais tu l'as retrouvé où? Je l'ai retrouvé assis sur le canapé. Ah, carrément? Carrément, je te jure. Ah ben, il regardait la télé? Ouais. Big Bill. Ah, il regardait Big Bill? Ouais. Et qu'est-ce que t'en penses du Big Bill? Ouais, c'est pas mal. Non, on dirait presque. C'est un vrai. Ouais, mais on dirait peut-être un nain de jardin aussi. Ouais, un petit peu, si ça tombe, c'est ça, hein. Bah, de toute manière. C'est pas celui qui va rater le plus fort, hein. Non, je sais. Dis donc, ton chef, Gérard, au chapeau, hein. Ouais, mais c'est pas grave. J'avais les allumés, j'ai pas fait gaffe. Il l'a pas fait exprès. Petit gazon. Bah moi j'évite de les mettre dans mon appartement parce que j'ai une chatte qui aime beaucoup les nains de jardin. Mmh. Bah quoi que je fasse, elle va s'exciter dessus, je suis obligée de les laisser dehors. Ouais, mais tu penses pas que les nains de jardin, oui, au lieu de lâcher ta chatte dehors, oui, tu crois pas que c'est plutôt les nains de jardin qu'il faut mettre dehors qu'une bête? C'est ce que je te disais, Gérard, mes nains de jardin sont dehors, ma chatte est à l'intérieur. Ah, ok. Ok. Gros barbu. C'est parti, gros barbu. Et il est parti? Ouais. Non, mais c'est bien, on a qui, là? Parce que là, pour l'instant, t'es au téléphone avec qui, toi? Tu vas me dire que t'es au téléphone encore avec ta mère? Non, avec chez toi. Avec chez toi? Essaye de contacter Sandy. Oh, non, tu vois, il fait des efforts. Alors, passe-partout. Heureusement qu'il est là. Moi, j'aimerais bien être à l'intérieur de la chatte de Petit Gazon. Hein. Et ce que je voulais dire, c'est que bah, les nains de jardin, par définition, ils sont faits pour être dehors. Donc, on va pas les mettre dedans. Je sais pas si t'as déjà vu, quand tu mets un nain de jardin dedans, il est pas du tout acclimaté. Donc il a du mal avec le milieu et bah tout de suite il dépérit parce que pas assez d'humidité, pas assez de lumière quoi. Mm-hmm. Donc à moins de l'arroser à peu près tous les jours et de le rempoter régulièrement, t'arrives à pas le garder à l'intérieur. Et... Bah, c'est faux ce que tu dis. Ah non, c'est pas faux, non, je veux dire si tu t'y connais un peu, c'est dommage qu'on ait plus des voix mystères pour confirmer. Non mais attends, la voix mystère à ton merde, d'accord à toi, celle du Front de Libération là. Ouais, bah alors, passe-partout, c'est terminé pour toi. Non, mais il a dit que c'était dommage que ce monsieur ne soit plus là. Il a pas dit qu'il était prêt. Voilà, mais écoute, voilà. C'est possible d'avoir une fiche propre? Ça arrive. Ouais, alors. On peut la repasser ou au moins la mettre au lavage, mais un truc propre. Un coup de déo, là. Un truc propre. Rigo, une question internet avant d'accueillir un nouveau auditeur? Oui, il y en a plein sur internet. Il y a Icy Grinchu qui te demande comment on appelle le nain de jardin qui fait des poèmes dans sa cabine en tongue. Gérard. Voilà. Après? Alors, après, attends, je regarde après, hein. Ne laissez pas traîner les nains dans la culotte, RIP, c'est ça. Moi, la main de ma soeur dans la culotte d'un zouave, ça, tout le monde la connaît. Voilà. Sinon? Et bah sinon, il y a Perforas Petrucciani, c'est pas sympa. Ah non, c'est pas la peine. Hop, terminé pour lui. C'est pas la peine. La fiche, elle arrive quand? Il y en a une autre, Gérard, il y a Perforas Pa Petrucciani,
qui dit que t'es un nain de jardin dans le jardin de la touffe de Sandy quand même. Ah mais ça, ça c'est mon problème. Oui. Je fais ce que je veux avec elle. Sandy, c'est mon. Alors non. C'est qui là, ce con là, qui s'amuse à traiter Sandy comme ça? Alors on accueille. On accueille Gronin maintenant. Gronin. Ah. Et il vient de Nice, lui, il a 20 ans. Et Gérard, sur IRC, il y a Ice Tigre Rocher qui te demande si c'est toi le nain qui chantait I-I-I-O, je rentre de la loco. Non, moi je chante, il est vraiment phénoménal. Alors attention, on termine avec le débat, donc. Ouais, Sandy, mais. Sandy, peut-être elle est là. Elle est là, Sandy. Elle ne veut pas répondre. Oh. Ouais, elle veut pas répondre. Oui. Pas répondre, espèce de feignasse. Ouais, réponds, mais pas de Jean Feignasse, va te reculer, toi, connard. Sandy. Oh, allez, hop. Sandy, c'est moi. Tu l'appelles en direct, tu vas voir. Elle va répondre. Ça sort bien, la chanson. Ta gueule. Toi. Sans trop savoir. Garde-moi les autres. Garde-moi les autres. Problème de toi. Tu n'as pas eu le choix. Garde-moi les autres. Et pour gagner ta vie. Allô? Sandy, vous êtes chez Sandy et Gérard. Bon, Sandy, tu réponds, c'est Gérard. Sandy, tu parles à moi. Oh, bon, Gérard! Vas-y avec les doigts. Ah, mais non, c'est Tony, ça. Ouvre la bouche. Bon, allez, hop. Tu vois, c'est Sandy. Elle est là, Sandy. Il y a personne d'autre, c'est Sandy, ça. Je sais même pas lire un livre. Elle est où, là, Sandy, là? Libre. Alors, Sandy? Oui. La bille, c'est mon hobby. À propos de Sandy, il y a Isti Grincheux qui te demande si c'est Sandy qui jouait dans Blanche-Fesse et Pamela. Non, tu me le dis. Tu me dis tout le monde et moi j'attends que Sandy réponde. Tant qu'elle répondra pas, je continuerai pas. Bon, bah on va attendre alors, Jean. Donc, alors, elle est là. D'arriver. Oh là là. Sandy, tu raccroches le téléphone, s'il te plaît, merci. C'est mon ami Gégé. Sandy, Sandy, tripote-la moi. Ouais, non, ça s'arrête à moi. Non, c'est pas Tony. Quel mec à l'antenne, Tony. Allez, tu me vires ça. Si je coupe, regarde, c'est pareil. Regarde, je vais couper ça. C'est rien à voir. Non, tu me vires. Il y a rien. Bon, allez, hop. Terminé, c'est fini. J'ai plein de questions. Non, le premier débat, c'est de la merde. Les deux débats, vous m'avez foutu de la merde. Ah, pour Sophie, c'est pas cool. C'est son premier essai. Ça sera après, on a battu le record. Là, on est 6892. Ouais, c'est énorme. Il y a énormément de questions. Bravo. Et là, il y a Père Fouras qui te demande si Sandy, elle a été naine de jardin avant d'être un boudin. Ouais, c'est fou ce que tu dis. Un boudin incroyable. Non, elle était boudin depuis le début. Hein. Et il y a Davy One, le vrai nain, il demande si les nains jardins, ils jouent à la Nintendo. Ah non. Bon, alors moi, je répondrai aux questions. Quand ça se passe. Bon, alors on finit le débat ou pas là? Non, mais ça y est, le débat, on fait conclusion, c'est tout. Eh ben, conclusion alors. On arrête. Donc, conclusion. Donc, simplette. De manière, je pense que je voulais attendre les 7000, mais on les attendra pas. C'est dommage. Mais on a quand même battu le record, Gérard. Ouais, 6800, ouais. Ouais, ben, il y a Crigo qui a fait du bon boulot, parce que, criminel. La nouvelle, je peux pas dire, parce que Fildar, ça nous a fait. Demande-lui, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait du bon boulot ou pas? Qu'est-ce que t'en penses, Gérard? Alors? Ben, personnellement, faudrait que, quand je demande que les gens se calment, faudrait déjà. Ils se calment. Bon, toi, tu fermes ta gueule. Parce que tout à l'heure, moi, je vais te calmer, et je vais te raccrocher au nez, ça va être vite fait. Non, j'ai rien, ça marche pas. Regarde, il y a l'allumé, juré. Donc, moi, je peux vous dire... Il n'y a rien qui tourne. C'est un peu con, parce que... Le coquine Sandy, sous le pont, oh là là. L'allemand, sous le visage... Non, allez, tu me vires, allez, merde. Qu'est-ce que tu fais? Ça y est, j'ai déjà tout le monde. Ça y est, là, j'ai plus personne. Faut qu'elle le dise, alors on va y aller, on va dire au revoir. Il n'y a rien dedans, regarde, il n'y a rien. Je ne veux pas. Voilà. Pas moi, j'ai les mains levées. C'est les auditeurs qui s'amusent à faire les cons. Micro. Bon, donc moi je recherche un producteur pour commercialiser. Ouais, bah toi tu fermes ta gueule. Tony, merci. Merci, au revoir. Parce que le prochain coup que tu pineras l'année en me disant que je sors de la DAS, que tu me feras signe, ok? Alors maintenant je veux plus de quoi dans les débats. C'est clair, net et précis. C'est bien? C'est bien compris, ok? En de bon entendeur, salut. Pour toi c'est terminé. Et je veux plus t'entendre de l'année 99.
Donc maintenant, tu me rappelles le numéro de la maison et je le sendu en direct. Oh là là. Quand vous dites la maison, ça vous habite. J'ai encore ma bibi. Ah. Mon bibi. Mon petit bibi. Ça du débat et tout ça. Ouais, mais on va demander à bibi qui m'aide à faire la conclusion. On y va. Qu'est-ce que t'as fait? Bon, fais-moi le numéro du portable parce que je sais ce qui se passe. Bon, Gérard, il y a quand même... Alors moi, je préviens une chose, que tous les gens qui s'amusent à m'emmerder sur chez moi, en train d'enfler, ça ne sert à rien. Non. Ok. Alors maintenant, vous nous foutez la paix. C'est quoi ton numéro? C'est la main de ma soeur dans la culotte d'un zouave. Ouais. Et encule ta mère. Et non, non, Gérard, c'est vraiment... Gérard, il y a Père Fouras, il dit que ça sert quand même de t'appeler chez toi. Ouais, bah lui, il est premier de se calmer aussi, lui. Parce que lui aussi, on l'attend dans ton téléphone. Ouais, mais Père Fouras, c'est peut-être pour ça participer à Fort Bayard. Bonjour, bienvenue sur notre serveur vocal, édité par Édition et Publicité. Non. Ce service, Gérard, c'est pas ça, okay. Gérard, comme tu parlais des conclusions sur IRC, il y a une conclusion de Turpentine qui dit que ton débat, il avait ni queue ni tête comme toi. Non, bah ça, de toute manière, c'est toutes les semaines que j'entends ça sur l'IRC. Alors, appelle Sandy, là. Appelle Sandy. Sandy, tu raccroches. C'est ça. Attends, c'est bon. Non. Sans trop savoir pourquoi, toujours un problème de poids. Tu n'as pas eu le choix, je sais, et pour gagner ta vie. Allez, dans une ligne. Alors, Gérard est en train de composer le numéro de téléphone de lui. Allez, le micro, là. Avec les doigts. C'est bon. Le numéro de vie. Et quand tu sens que c'est mieux. Ouvre la bouche. Tu vois, c'est magnifique, mais tu sais même pas lire un livre. Ah, putain, le mec. Alors, Sandy, tu raccroches. Putain, t'es... Ou quoi? La bite, c'est mon gros. Il est en air. Il a raccroché tous les auditeurs, hein, donc...